Salut les Lumières, c'est Fabien, je suis content de te retrouver pour cette vidéo. Merci pour vos mails. Voilà. Donc cette vidéo s'adresse voilà, à ceux qui participent aux ateliers. Si tu la découvres et que tu ne me connais pas, bah voilà, tu prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, bah pff, voilà. Il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. C'est juste une compréhension de l'humain sur comment te préparer à. Alors ce qui m'intéressait dans cette vidéo-là, c'est de préparer à la sortie de ce qu'on appelle la quarantaine. Pour revenir. Sur toi, parce que voilà, c'est ce qui me passionne, ton personnage, en fait, il existe et tu t'es créé voilà, un rôle, ce que j'appelle le personnage, par rapport à différents facteurs. Les premiers, c'est tes croyances. Ça veut dire que depuis tout petit, alors j'ai fait des petits, voilà, tac. Depuis tout petit, on t'a mis des étiquettes par rapport à des valeurs qu'on t'a apportées, ce que j'appelle les croyances. Qui t'ont permis de créer qui tu es via l'éducation que tu as reçue de tes parents, donc ton papa et ta maman, ton système scolaire, tes religions, si tu fais partie d'une religion, le milieu social et culturel dans lequel tu as fait toute ton enfance. Donc ça a créé ton personnage avec des valeurs, des croyances. Ces croyances-là sont limitantes puisque ça crée un cadre, ce fameux cadre. Ça, c'est toi, ça, c'est ton cadre. Et en grandissant, l'humain, tous, voilà, vous avez. Tu as eu envie de approfondir cette connaissance-là. Et donc en grandissant, tu as eu envie d'approfondir ces croyances. Donc tu es parti sur la connaissance, le niveau 2. La connaissance, tu as lu des bouquins, tu t'es formé, tu as vu des livres, tu as vu des films, tu as fait des stages, voilà. Donc peu importe le domaine. Toi, tu peux être garagiste, tu peux être peintre, tu peux être ingénieur en informatique, tu peux être banquier, voilà. Il y a forcément les croyances dès l'enfance et tu passes à la connaissance. Tu as besoin de nourrir, de valider. Les connaissances, elles sont pour toi puisqu'elles te rassurent dans ta compréhension de la vie. Une partie de la population, enfin toi, voilà, peut-être qu'aussi tu es resté sur cette base-là, ce qui fait que tu as une large connaissance que tu aimes partager. Mais ça, c'est limite. Puisque pour bien partager quelque chose, il faut que tu la mettes en pratique pour toi-même. Ça veut dire que c'est là où il a fallu que tu te remettes en question. Tu vois, ça va être intéressant pour après. Parce que avoir des connaissances et les mettre en pratique pour soi, et ben ça demande un changement de fonctionnement, ça change même des fois certains paradigmes qui vont changer ta réalité. Donc ce qui est important, c'est que tu passes en pratique sur peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es, et que tu t'appropries. Voilà, cette technique-là, pour arriver sur une maîtrise. Ok? Depuis tout petit, à l'école, on t'a appris à diviser les informations. T'as appris à séparer les maths, de l'histoire, du français, de la géographie, de tout ce que tu veux. Dans notre culture, aujourd'hui, c'est la même chose. Que ce soit la peinture, les films, les chansons, les musiques, on sépare, tu vois, les thématiques. Ce que je veux dire par là, c'est que on a pas la capacité, ou on ne nous a pas appris à traiter diverses thématiques, diverses informations d'un coup. Si je prends l'exemple d'un film, on a peu de films où on va voir un Roumain, myopathe, qui fuit son pays, sur un fond de musique Bollywood, avec une thématique d'attaque d'OVNI au Moyen-Âge. Là, t'as un panel d'approches et de thèmes qui sont trop compliqués, et on se dit, bah non, ça tient, ça n'a pas de sens, on va pas mélanger le Moyen-Âge et les ovnis avec une musique folklorique dansante et très colorée. Donc ça fait beaucoup d'informations à gérer. Pourquoi je prends le temps de t'expliquer ça? C'est ce qui va se passer en fait dans ta quarantaine. Alors, c'est que là, dans ton cercle de croyances, donc Donc il y a beaucoup de thèmes, je vais peut-être faire plusieurs vidéos. Ça, c'est ton personnage. Ton personnage, lorsque tu es bien, donc tu dégages ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est la science, hein, ça n'a rien de. Voilà. Tout ce que je te parle, c'est concret et c'est observable et c'est vérifiable. C'est-à-dire que l'humain, dans son état, donc quand je parle de ton état, c'est tes émotions. Tu penses haut, ta fréquence, elle est haute. Tu penses bas, ta fréquence, elle est basse. C'est des fréquences en hertz qui se mesurent. Voilà. Si tu penses haut, tu rayonnes. D'accord? Si tu penses bas, tu t'éteins. Si tu penses haut, tu rayonnes, bah tu souris, tu es joyeux, les autres ont envie d'aller vers toi et toi, tu as envie de partager ça. Si tu penses bas, que tu es triste, en colère, tu te recroquevilles sur toi-même, tu te protèges, tu n'as pas envie d'aller vers les autres et les autres, d'instinct, ils ont moins envie d'aller vers toi. C'est aussi simple que ça.
Donc là, hop, tu rayonnes, tu dégages de l'énergie positive. Là, c'est éteint, t'as pas envie. Ton personnage, il s'est construit parce que dans cette ligne de confort, il y a tes croyances, tes connaissances, ta pratique et ta maîtrise. Dans ces thématiques-là, je t'en ai mis que 4. Ce qui te rassure, c'est ton salaire. Ce qui te rassure, c'est la société que tu comprends dans laquelle tu vis en ce moment. Ce qui te rassure, c'est tes loisirs. Donc quand je mets loisirs, c'est tes copains, tes sorties, tout ce qui est hors du cadre. Voilà, quatrième point, de ton travail. Ton travail te permet d'être quelqu'un, il te permet de jouer un rôle, il te permet d'être reconnu aux yeux des autres. Or, ce qui est intéressant, c'est de faire les choses pour soi. Ça, je ferai une deuxième vidéo là-dessus. On va rester simple. Voilà, ça, c'est ta ligne de confort, d'accord? C'est tes repères qui font que tu es bien. C'est ta routine, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Dans cet équilibre-là, tu maîtrises et tu comprends tout ce qu'il y a. Ça, c'est la quarantaine. Pendant la quarantaine, tu n'as plus de travail, la société dans laquelle tu vis, tu sais pas trop ce qu'elle devient, tes loisirs, eux, ils existent quasiment plus, et ton salaire, tout va bien, pour l'instant, tu sais pas ce qui va devenir. Les seules informations que tu as de l'extérieur, ça vient des réseaux sociaux ou de la télé, je vais le mettre là, hop, voilà. Et tu vas passer quelques semaines, voire quelques mois, je pense, confiné dans ton foyer. Pour faire simple, il se peut que lorsque tu sortes, tous tes repères qui te rassuraient à jouer ton personnage, lorsque tu vas sortir, ils n'existent plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es bien puisque c'est ce que j'appelle les cordons ombilicaux. Tu as des énergies qui te répondent constamment. Ton travail te rassure, il te répond. Ton salaire, il te rassure, il te répond. Quand tu vas sortir de la quarantaine, il y a une chance que ces cordons-là, ils n'existent plus. Ça veut dire que tu n'auras plus de repères de salaire, plus de repères de personnage. Ça veut dire avant, tu étais peut-être quelqu'un parce que tu étais chef de je sais pas quoi, d'une usine. Tu étais peut-être un artisan reconnu dans une petite ville pour. Voilà. Et puis en fait, il suffit que ça n'existe plus dans la société qu'on te propose. Tu n'es plus rien. Ça veut dire que ça va impacter sur la maîtrise de ton personnage, sur ta pratique. Ça va remettre en question tes connaissances, et ça va impacter tes croyances. Et quand ça arrive à l'impact des croyances, c'est là que voilà, comme notre cerveau, ce que je t'expliquais en début de vidéo, il n'a pas été habitué et entraîné à gérer plusieurs informations d'un coup, c'est là qu'il peut se passer une espèce de petit bug. Tu me connais du coup, tout est yin et yang, tout est équilibre. Du coup, cette vidéo, je te propose une truc et astuce. C'est de remplacer cette ligne-là, d'accord? Ce que j'appelle la zone de confort. Alors je vais changer de schéma, je ne sais pas si on va voir, je te fais un schéma plus grand. Je vérifie. Donc là, je t'ai fait un schéma plus grand dans lequel quand tu vas sortir, ça, tu es en quarantaine, tu sors de ta quarantaine, différentes choses auront changé. Donc quand tu sors de ta quarantaine, voilà, c'est que ta réalité que tu comprenais, que tu maîtrisais, qui te rassurait. Quoi qui, voilà, on ne connaît pas demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on est tous d'accord pour dire que ça va changer. Donc l'outil que je te propose, pour que tu sois bien et que tu rayonnes, peu importe ce qui va se passer, donc là je t'ai marqué différentes choses, mais je ne vais pas les énoncer parce qu'on va plutôt tirer l'énergie vers le haut, c'est que là j'ai marqué ici et maintenant, à chaque instant. Tu peux, toi, donc c'est le travail qu'on avait fait un petit peu février-mars, où ceux qu'on fait retrouvent le sacré qui est en toi, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que tu mets en place pour devenir créateur de ta réalité? Et c'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire que, imagine, exercice, voilà, chaque jour, tu peux très bien t'imaginer que ta quarantaine s'arrête demain. Là, on est lundi, bah demain, mardi, voilà, tu apprends que tu es libre, tu repars à faire ce que tu veux, et voilà. Et là, tu découvres que bah, l'environnement conduit. Que tu connaissais avant, tes repères du passé, d'accord, ils n'existent plus. Puisque forcément, tu peux, entre avant la quarantaine et après, c'est plus la même vie. Donc toi, qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher, on revient toujours au même, des valeurs qui vont te rassurer. C'est-à-dire que tu dois devoir chercher des nouvelles croyances qui vont te faire du bien, t'informer, peut-être là-dessus, et surtout rapidement, ça c'est le plus rapide, les mettre en pratique. Donc là, on a la chance d'avoir du temps, d'avoir
on a chance d'être en France, c'est plutôt d'aller nourrir des valeurs qui te parlent. Ça veut dire que si tu souhaites plutôt valoriser des circuits courts et être autonome dans ta maison et ne plus être dépendant de l'argent, j'aime bien toujours aller à l'extrême, bah oui, c'est possible. Mais par contre, dans ta pratique, qu'est-ce que toi tu mets en place pour ça que ça arrive dans ta réalité? Si tu attends des autres, ben voilà, ça va parier puisque il ne faut rien attendre des autres. Donc dans les règles, ça, c'est toujours faire les choses pour soi sans rien attendre des autres, faire les choses pour soi sans rien imposer aux autres. Je pourrais reprendre la phrase que j'aime bien de Bernard Werber qui est combat pas un système mais démode-le. Je vais vous partager, peut-être en bas de la vidéo, un petit documentaire qui a été fait en Bretagne, à Amanlis, avant voilà, cette histoire de quarantaine, où ce petit village-là ont des idées écologiques, environnementales, d'autonomie, de bienveillance et de partage. Et ils se sont dit, bah tiens, dans 10 ans, qu'est-ce que pourrait devenir mon village? Et je pense que c'est ça. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est pas voir ce qu'on aura perdu ou ce qu'on nous propose ou ce qu'on nous impose. Hein, je reviens toujours au même. Nous sommes des êtres libres ici. Donc en fait, qu'est-ce que nous, on a envie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement recréer un système qui nous convient. Donc l'exercice que tu peux faire tous les jours, et ben voilà, toi dans ta réalité, qu'est-ce que tu mets en place pour déjà ne pas être chamboulé par rapport à ces croyances qui, lorsque tu vas sortir de la quarantaine, quoi qu'il arrive, ça va te déstabiliser. Voilà. Donc j'essaie de faire une vidéo assez courte. Il y a plein de thèmes dans juste ce que j'ai partagé. Ce qui est un petit peu changeant pour moi, c'est que d'habitude, bah, vous êtes en face de moi et il y a les questions-réponses auxquelles j'adore répondre. Donc bah, si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions soit par mail, si tu as mon mail, soit dans le lien. Encore une fois, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon travail, tu partages, tu commentes. Tu prends ce qui te semble bon ou pas. Et puis, il n'y a pas de vérité. Voilà, donc mon conseil, prends du recul, beaucoup de recul par rapport à tout ce que tu vis en ce moment. Allume, là je sème une graine, allume quand même une petite flamme là, pour te dire que ouais, il y aura avant et après cette histoire. Et le après, dans ce que j'en comprends, voilà, sera forcément différent du avant. Plus tu vas te préparer sur toi, qu'est-ce que tu veux dans le après, plus tu vas pouvoir gérer les différentes, toi ça qui est important, les différentes informations qui vont t'arriver. Voilà, comme d'hab, tu prends ce qui te parle, ce qui ne te parle pas. N'hésite pas à laisser des commentaires. Si t'as mon mail, tu m'envoies des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à bientôt.